Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, je vous poste la vidéo donc DIY horloge gold. Et du coup je l'avais fait pour la décoration de mon bureau. D'ailleurs vous pouvez le voir dans mon makeover bureau. Donc si vous voulez voir ça, je vous mets ça en barre d'infos. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une vieille horloge, d'un tournevis, et vous pouvez imprimer des fonds ou vous pouvez utiliser une feuille blanche tout simplement, d'un crayon de papier ou d'un stylo, d'une paire de ciseaux, de sharpie donc ou de feutre, et de peinture de votre choix, donc en bombe ou tout simplement de la peinture simple. La première chose que je viens faire, c'est tout simplement retourner l'horloge et je vais la démonter, donc c'est pour vraiment avoir le cadran et pouvoir travailler sur le cadran. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et du coup moi il y avait un verre, donc il fallait faire bien attention de ne pas le casser. Et ensuite j'ai enlevé les aiguilles tout simplement. Faites attention quand vous enlevez les aiguilles à ne pas les casser ou les tordre même. Et ensuite j'ai pris le papier donc en fond marbre et avec le verre qui était de la même taille que l'intérieur pour le mien, j'ai tout simplement tracé un cercle et je l'ai ensuite découpé. Et ensuite, je viens faire un tout petit trou au milieu donc pour laisser passer le petit machin là pour les aiguilles. Et par la suite, je viens prendre un crayon de papier et je vais tout simplement tracer où sont censés être les numéros. Je ne sais pas si vous comprenez. Je le fais pour une seule moitié et ensuite, avec une règle, je viens tout simplement le reporter sur l'autre moitié en passant par le centre du cercle. Oui, oui, je fais de la géométrie là. Ensuite, je viens repasser tout simplement avec un Sharpie. Donc là, vous pouvez également tout simplement noter les numéros. Ensuite, je viens gommer le crayon de papier qui était là juste avant. Et voilà, au final, j'en ai fait deux et vous verrez à la fin lequel je garde. Ensuite, je viens peindre le cadran. Donc ici, je le peins en noir, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je le laisse sécher. Et puis, je change d'avis et je décide de le bomber en doré. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'ai changé d'avis pour ce DIY. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin bref, je viens mettre le fond blanc et doré. Et j'ajoute tout simplement les aiguilles. C'est assez simple quand même. Et par rapport aux aiguilles, de toute façon, il y a toujours la plus grande qui vient sur le dessus. Et la plus petite qui est en dessous. Voilà, voilà. Et ensuite, je replace le verre et le cadran. Et franchement, ça ressort trop trop bien, le blanc et le doré, c'est juste top. Et je le retourne bien sûr pour le revisser, pour bien sûr qu'il soit fixé. Et oui, on n'a pas envie que le cadran nous tombe dessus. Voilà, on passe d'une vieille montre avec des oiseaux à une superbe montre gold que j'aime énormément. Je l'accroche ensuite sur la déco de mon mur. Si vous voulez voir la déco complète de mon bureau, n'hésitez pas à aller voir le makeover. Je fais également un office tour, si vous connaissez. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce DIY. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.